Bonjour, c'est Dominique. Je viens vous voir passer un petit moment. Comme tous les lundis, je vais aux soins palliatifs, accompagner les personnes, en fin de vie. Il y a 17 lits, je ne sais pas combien de personnes, j'ai du mal à dire patients, des personnes. On est tous humains jusqu'à la fin. Bonjour, je viens mettre mes affaires. Vous savez, quand on vous rappelle, on vous prend la main et on vous embrasse et qu'on vous a rien dit, c'est super. Ils sont contents que quelqu'un puisse venir les voir dans leur état, quelque part. D'ailleurs, ils sont toujours intrigués parce qu'on n'a pas de blouse. Je pense que c'est ça qui doit les intriguer au début. Puis des personnes qui sont des fois à côté, je ne suis pas un soignant. Ben, on n'est pas du tout dans le même contexte. C'est une autre approche. Et je pense que ce qui est intéressant, ce qu'on apporte aux soins palliatifs, on apporte autre chose, c'est un complément. Bonjour, c'est Dominique. Je viens vous voir passer un petit moment. Là, je me sens un peu fatigué, donc un peu de silence, et puis je lui dis à bientôt. Quand les patients parlent avec Dominique, ils ne nous parlent pas forcément de ce qu'ils ont raconté avec Dominique, justement. Nous, on parle plus soignants, la prise en charge infirmière avec les patients. Ce qui se passe avec Dominique, ils peuvent leur raconter des choses sur leur vie privée, des choses différentes que nous, on aborde avec les patients. Ils nous parlent souvent de la présence de Dominique, qu'ils ont eu un bénévole, que ça leur a fait du bien, que ça leur a permis de dialoguer, que le temps est passé plus vite. Je note la chambre, le nom. Mais les commentaires sont des commentaires succincts. Des fois, j'ai beaucoup d'émotions. Pour moi, c'est des rencontres fortes. Quand je quitte le service, je laisse tout à la porte. Comme je le fais souvent avec le sas de la voiture en venant. Je viens pour les autres et je mets à disposition. Ça peut ne jamais être la même chose. C'est pour ça que je vous parle de rencontre. C'est un engagement bénévole qui quelque part me nourrit à mon intérieur. Donc j'en sors très enrichi. Je vis beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 20 ans.